à soir, à cette heure, toué, moué. Il y a vraiment beaucoup de mots qui se ressemblent, il y a beaucoup de similitudes. Bonjour, je m'appelle Barbara Théris, je viens de l'île de la Réunion, la Ravine des Cabris, et ça fait 7 ans et demi que j'habite au Québec. Il y a tellement de mots du joual québécois qui ressemblent au créole. Par exemple, on va dire asseoir, aster. Aster au Québec, ça veut dire à cette heure-ci ou tout à l'heure. Toué, moué. Il y a vraiment beaucoup de mots qui se ressemblent, il y a beaucoup de similitudes. Et je pense que le fait de parler créole et de découvrir toutes les ressemblances entre le créole et le québécois, ça a vraiment aidé à mon intégration au Québec. Parler créole avec des Québécois, ça marche pas du tout. Je sais pas si j'avais un accent créole à la base et je sais pas si aujourd'hui j'ai un accent québécois, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris beaucoup les expressions québécoises. Je suis un mix des deux maintenant, je pense. À part le joual, il y a quelques similitudes avec la Réunion. Par exemple, les noms de villes. Il y a Sainte-Marie, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Paul. Il y a beaucoup, beaucoup de villes au Québec comme à la Réunion qui commencent avec Saint-Devant. Dans les noms de famille aussi, ça m'a beaucoup marqué. Il y a Robert, Grondin, Rivière. Rivière à la Réunion devient La Rivière au Québec. Puis La Rivière, c'est vraiment un des noms de famille les plus communs. À l'île d'Orléans, à côté de Québec, à chaque fois qu'on allait se balader là-bas, on traverse le pont, on arrive à Saint-Pierre. Puis du coup, j'avais vraiment l'impression, j'étais trop heureuse de voir le panneau Saint-Pierre. Ce qui me manquait le plus au Québec de la Réunion, c'est définitivement la cuisine créole. J'aime beaucoup, beaucoup trop manger créole. Les 4 premières années, j'étais toujours émerveillée. À la première tempête de neige, j'allais me balader, j'en revenais pas. Enfin, c'était magique. Yeah. Les montagnes de neige, je fais 1m50. Il faut se dire que les montagnes étaient plus grandes que moi, donc c'était quand même impressionnant. Les autres points de repère que j'ai eu aussi, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de Réunionnais au Québec. On sait que si on veut se sentir comme chez soi, il est facile de faire des soirées entre Réunionnais. Par rapport à mon blog Théris de Poche, en fait, j'ai décidé de le créer parce que je voyais que j'avais vécu beaucoup d'expériences, que j'avais beaucoup voyagé, fait beaucoup de découvertes au Québec. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça? Vu que j'ai quitté mon île à 18 ans, je pense que l'expatriation m'a vraiment appris à me connaître, à découvrir, à comprendre mes limites. Je me situe vraiment entre la Réunion et le Québec. Puis aujourd'hui, je pense que si je devais revenir à la Réunion, ça me ferait vraiment quelque chose. C'est vraiment mes deux maisons, puis je me sens vraiment bien là-bas.